Bonsoir madame. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Florentine Fall, présidente nationale du mouvement 2 millions de femmes. Alors pourquoi cet événement aujourd'hui, 2 millions de femmes pour le président Bakou? Pourquoi cette organisation aujourd'hui? Non, c'est plutôt un constat aujourd'hui. Oui. Nous sommes 2 millions de femmes pour Bakou, nous existons depuis 2003. Oui. Mais nous lançons aujourd'hui un constat dénommé 2 millions de roses de paix pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Pourquoi ce constat? Il est clair. Le président Laurent Gbagbo vient d'être acquitté à l'issue d'un procès qui a duré 8 années et 10 ans d'emprisonnement, gratuitement, inutilement. Et le 31 mars dernier, la CPI l'a acquitté. Donc c'est une victoire pour nous, les partisans qui avons cru en son innocence depuis le début. Parce qu'il a été embâtillé, bombardé, humilié à l'issue d'une élection qu'il a gagnée. Et aujourd'hui, on nous donne raison. Donc c'est un résultat. Nous sommes enthousiastes, nous sommes heureux, nous sommes en joie. Et quand le président Laurent Gbagbo revient en nom de paix pour réconcilier l'espoir, il ne vient ni pour se venger, ni pour s'aimer la haine. Et donc, elle est le symbole de l'amour. Elle est le symbole de la paix. Et donc nous disons au monde entier que le président Laurent Gbagbo nous fait nous considérer qu'il n'est pas rien. Nous devons alors, nous, cette fille, 2 millions de Philippe Gbagbo, distribuer à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, même à des personnes étrangères qui vont accueillir le président Laurent Gbagbo. Et nous leur distribuerons des rôles, parce que le président Laurent Gbagbo doit être accueilli avec des roses car il vient pour la douleur, la célébration de l'amour. La cohésion sociale, c'est pour la réconciliation de la famille. Je vous remercie. En dernière question, Présidente, la première activité de distribution de 2 millions de roses aura lieu quand exactement? La première activité de distribution aura lieu le jour de l'arrivée du président. Et nous l'avons dit, la demande, la marée rose. C'est ce jour-là que les roses seront distribuées à toutes les personnes qui vont à l'aéroport. Et sur le tronçon qui va parcourir, c'est-à-dire plus qu'il foulera le pied du sol ivoirien, jusqu'à qu'on soit de destination, nous avons des roses qui vont nous afin que le président de la République soit accueilli avec des roses, que nous allons grandir, que les Ivoiriens vont grandir pour montrer qu'ils sont contents de voir le président de la République qui vient de la réconciliation, de la cohésion sociale et de l'humanité. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux ou celles qui sont à l'intérieur du pays? On ne suit pas forcément à l'air. Nous avons une tournée. Évidemment, nous avons dit tout à l'heure dans notre discours que nous allons entamer une tournée nationale. La première tournée aura lieu sûrement le 29 mai, le 29 mai. Et nous allons aller sensibiliser les Ivoiriens à adhérer au concept et à savoir que le président Laurent Gbagbo est libre, acquitté, il est en Côte d'Ivoire et que nous devons nous mobiliser pour l'accueillir. Donc nous allons faire d'abord des tournées dans plusieurs contrées des Ivoiriens et nous allons chuter à Abidjan avec la parade dans le pays. Merci.